Maëlle, merci de partager la vidéo. Merci Maëlle de partager la vidéo. Lubanda, vous pouvez partager la vidéo pour permettre aux autres de suivre, si tu veux bien. De notre vie sans notre propre engagement. Il faut que l'homme nous le rappelle. La beauté de la création n'est pas le fruit de l'homme. Dieu seul a pensé dans sa sagesse divine ce qui doit faire l'équilibre de l'homme dans la création. C'est lui qui dit la vie dans les eaux, sous la voûte du ciel, sur la terre. Dieu a vu que cela était bon. Genèse chapitre 1, verset 21. Car il n'y a rien de mal de ce qui provient de Dieu. Son amour était si fort pour l'homme qu'il a voulu le crier en dernier lieu pour qu'il trouve un accueil en douceur. Cette justice qui doit normalement nous imposer le sens et le respect de la vie de chaque être. Nous sommes tous frères. Souvenez-vous de la question de Dieu à Caïn. Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Celui-ci répondit, « Je n'en sais rien. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? Un cri monte du sol vers moi de notre colère et notre méchanceté. Qui peut
peut dans la rancœur installer la réconciliation? Qui peut dans la haine instaurer l'amour? Qui peut dans les divisions promouvoir l'unité? Qui peut dans la guerre prêcher la paix? Jésus nous dit en Luc chapitre 6, verset 32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, faut-il vous en... faut-il... » Rossi nous dit ceci, « Fille de la République démocratique du Congo, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Rossi a dit, thank you.
La connexion, elle bug. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, nous sommes arrivés au moment de la quête d'un cœur humble et joyeux, apportant au Seigneur notre offrande. Franchement, je filme difficilement, très difficilement. Je n'en peux plus, hein.
je n'en peux plus parce que il n'y a pas de connexion. J'ai une très mauvaise qualité de connexion. Je suis obligée de couper parce que ça ne marche pas. Ouf. C'est embêtant, ça coupe, ça recommence, ça coupe, ça recommence. Alors là, ça fatigue. Hein. On se déplace, on cherche le bon endroit pour avoir le réseau, mais ça marche pas. Et puis après, c'est fatigant. On sera obligé de couper la vidéo. Bonjour, comment vas-tu ?